commencé la boxe alors que j'étais encore au collège, donc voilà, j'ai toujours fait énormément de sport. La boxe, ça m'a apporté énormément de choses, mais je pense à des valeurs fortes comme le goût de l'effort, la rigueur, le respect et l'estime de soi aussi, parce que c'est un sport qui m'a permis d'apprendre à me connaître et à gagner en confiance. C'est important de venir délivrer des messages autour du sport et de la santé à des collégiens, surtout quand on voit comment leur santé se dégrade au fil des années. Le fait là d'entendre qu'en 40 ans, les jeunes ont perdu 25% de leur capacité cardio-pulmonaire, c'est assez affolant. Donc il y a un vrai sujet de santé publique. Et si le fait que des athlètes puissent venir et raconter leur parcours et donner envie à des jeunes, ça peut fonctionner, alors il faut le faire. Juste le fait d'aller à l'école en marchant et sans forcément prendre une trottinette électrique ou le bus, essayer vraiment de prendre les escaliers à chaque fois que c'est possible. Et puis vraiment, je pense que le club, hein, pouvoir s'inscrire dans un club, c'est quand même assez important, parce que au-delà de juste bouger, c'est aussi le volet social, et on parlait de santé mentale, et ça y contribue. Le club, c'est la socialisation, donc au-delà de la santé physique, c'est la santé mentale.